Laurent Kremer est un artiste complet. Il écrit des chansons, il est interprète, il compose ses musiques et c'est un fantastique musicien. La guitare est son instrument favori. En Alsace, un luthier lui en a fabriqué une sur mesure. Regardez. Il était une fois un guitariste. De scène en scène, de spectacle en spectacle, il jouait, jouait. Mais dans sa tête, trottait une idée fixe. Un jour, j'aurai ma guitare. De son côté, dans son atelier, un luthier s'activait autour de ses planches de bois. Il travaillait, travaillait, améliorant jour après jour sa connaissance de la maïeutique des guitares. Guy, Laurent, chacun d'eux parcourait leur chemin respectif qui devait un jour les amener à se rejoindre. Et à l'ombre d'un des grands noms de la guitare, ce qui devait arriver, arriva, lors d'un concert de Tommy Emmanuel. À la fin du concert, je suis resté un petit peu et je tombe sur Guy Buterlin, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'attendais Tommy Emmanuel pour lui montrer ma guitare. Et donc j'ai regardé la guitare, je trouvais ça bien fait, et comme Guy était à côté, je lui ai dit « mais c'est une Ryan ?» Il me dit « non, non, c'est une Guy Buterlin !» Je lui ai dit « je connais pas ». Il me dit « ben, c'est un peu normal, c'est moi qui l'ai fait, je suis luthier depuis… enfin bref, est-ce que je peux essayer ?» Il me dit « ben, vas-y !» Et donc il l'a essayé. Et là je tombe sur le cul, vraiment un boulot très bien fait, enfin du bon boulot, du boulot de maître artisan. Quoi. Tu te dis « oh !» Ce type, il sait bosser. Puis après, il m'a dit, bah, faut qu'on se retrouve. Ta guitare me plaît, voilà, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je l'ai appelé 2-3 jours après en lui disant, voilà, bah, je serais intéressé par un modèle de guitare. J'ai mes idées, j'ai fait un petit plan. Est-ce que je peux venir te voir? Est-ce que pas de problème, tu viens. Dès lors, commença l'aventure de la guitare de Laurent. Mais Laurent est un guitariste qui sait ce qu'il veut, surtout concernant sa guitare, celle qu'il imagine depuis si longtemps. Cela n'a pas découragé Guy, bien au contraire. Les voici alors partis à la recherche des différents bois qui constitueront cette guitare tant désirée. C'est un son très doux aussi. Ouais, mais je vois ce que ouais. Ça va donner un peu. Ouais. J'avais une guitare avec une caisse à cajou qui me plaisait pas mal, mais le côté percussif me convenait pas trop. Dessus, tu as autre chose, comme quelque chose de plus clinquant. Nous avons l'érable aussi. Donc celui-là sonne plus claquant. Ah, ça c'est plus claquant. Hein. C'est assez proche du palissandre, au niveau des fréquences. Tu peux montrer ce que ça donne? Ah, bien sûr. Ouais. C'est un bois qui... Ouais, ouais, qui on sent la rondeur quand même. On sent, il y a beaucoup de rondeur, oui. Peu à peu, la guitare prend forme. En suivant les indications de Laurent, Guy coupe, ponce, cintre pour fabriquer les pièces de l'instrument avant de les assembler les unes aux autres, tel un puzzle en trois dimensions. Des pièces uniques pour un instrument unique. C'était une nouvelle approche, des choses que je n'avais pas encore faites et que je n'avais jamais vues, comme le défonçage de la touche pour jouer les harmoniques. La guitare de Laurent, elle a de particulier que... de la technique de jeu de Laurent, c'est qu'il veut faire beaucoup de percussions sur cette guitare. Donc effectivement, j'ai dû adapter déjà au départ sur le choix des bois, mais aussi surtout au niveau de la construction, de la faire suffisamment solide, de modifier un peu le barrage aussi qu'elle puisse encaisser les coups qu'il va donner. Parce que je sais qu'il va la massacrer un peu, mais bon, c'est, c'est le but aussi, hein, c'est de la faire vivre cette guitare. Et là, il y aura combien de couches sur la guitare en tout? Pour la caisse, 14. Pour la table, 8. 14 couches de vernis. Jour après jour, Laurent voit ses idées se concrétiser grâce au savoir-faire de Guy. À chaque visite, il peut voir naître petit à petit l'instrument de ses rêves. En attendant de pouvoir serrer sa guitare entre ses bras, il patiente, ou plutôt essaye de ne pas s'impatienter.
D'accord. C'est comme le gamin devant le, tu sais, le sapin de Noël, t'as le... Ouais, c'est ça. Non, c'est... ouais, c'est un bébé, quoi. C'est ma guitare. Enfin, c'est un truc, c'est indescriptible. Et c'est un petit peu comme le Graal, tu sais, c'est que... tant que tu l'as pas, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est comme la femme que tu as envie d'avoir. Le jour où tu l'as. Tiens, donc je ne veux pas dire que ça sera moins bien, mais cette période d'attente aussi de... Tiens, c'est ouais, ça a quelque chose d'exceptionnellement bon. Ouais, j'adore ça. Et puis vint le jour où sa guitare fut là, corde prête à résonner sous ses mains, telle que Laurent l'a toujours rêvé. Et voilà, Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Francis. On se tutoie, on se connaît, oui. Un petit peu. Alors Laurent, on te voit heureux, vraiment heureux. Alors, tu as comparé la guitare à une femme qu'on a envie d'avoir. Alors, c'était aussi pour dire que parfois, c'est moins formidable quand on l'a, même si tu ne l'as pas dit. Ouais, mais... Et par rapport à ta guitare, est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, tu l'as. Est-ce qu'elle est aussi formidable que tu l'as imaginé? Alors, là aussi, je vais être sincère jusqu'au bout, jusqu'à 100%. La guitare, au départ, quand on l'imagine, on se dit, ben, tiens, on va mettre tel bois, on va faire une association, en fin de compte, de plusieurs trucs différents. Et quand on associe, ben, à moins d'être le bon Dieu et de savoir exactement ce qui va se passer, on ne sait pas toujours. Alors la guitare, là, pour le moment, comme elle est là, comme elle a été finie, elle est, à 90%... au sommet de ce que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire le manche, le diapason, le profil du manche, tout ça c'est parfait, la caisse à l'arrière, tout ça c'est parfait, les préampes, le chevalet, tout est monté exactement comme je veux, le fretage aussi. Par contre, on s'est rendu compte qu'on a fait une association, c'est ce bois-là, le bois de face et la caisse, qui sont deux bois durs. On a un bois ici, un palissandre de Madagascar, qui est vraiment très dur, et ici, un adirondack, un pin des Appalaches qui est dur aussi, et ça donne un son qui manque de rondeur. Et rien que pour ça, je vais aller revoir Guy, parce que Guy sait le faire. Donc on va changer la table pour mettre un sitka qui va être un bois plus souple, et l'association du sitka avec le palissandre va rendre ce côté plus doux. Ça veut pas dire qu'elle sonne pas bien pour le moment, elle a pas le son que je recherche. Donc on est avec Guy, avec le luthier, c'est pour ça aussi qu'on bosse ensemble. On va tout faire pour essayer d'aller dans ce sens là Il serait peut-être intéressant, avant qu'on continue notre discussion, oui, de voir ce qu'on peut faire avec une guitare comme celle-là. Alors, je vais me lever un petit peu. Pour le côté percussif, alors il faut savoir, tout le monde ne joue pas de la percussion sur la guitare. Moi, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Il y a donc un micro qui est à l'intérieur de la guitare, un petit micro qui est placé là-dedans. Et en plus de ça, il y a un piezo ici, c'est-à-dire qui va capter chaque corde à part. Et maintenant, je vais faire une petite démonstration déjà pour montrer. Et c'est parti. Alors finalement, le guitariste se transforme en percussionniste. Hein. Un petit peu, ouais. Et ouais, les deux associés, c'est absolument génial, quoi. Ah bah si tu trouves ça génial, ça me fait plaisir. Ah non, mais c'est clair. Alors cette guitare, finalement, cette guitare, tu l'as dessinée. Tu savais, parce que ouais, faut dire que tu fais de la guitare et de la musique déjà depuis très longtemps. Oui. Donc on va dire, tu as mûri, tu as vu, tu as évolué, et puis cette guitare, elle est, en fait, tu l'as imaginé, tu l'as dessiné, tu l'as confié à ce luthier. Ouais, complètement. Et tu savais exactement ce que tu voulais. Ouais, bah parce que, tu sais, au fil du temps, quand tu joues de la guitare depuis tout petit, y a déjà une évidence, c'est ta main. Hein. Tu as la longueur des doigts que tu as, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, donc il faut faire avec. Il s'avère, par exemple, que les diapasons standards, le diapason, c'est la longueur du manche, hein. Et le diapason standard sur la planète, c'est 650 mm, c'est-à-dire de là, on va faire 65 cm. Et il s'avère que pour pas mal de gens, c'est trop grand, mais enfin, c'est devenu le standard. Moi, c'est un truc qui m'a dérangé toujours, donc là, on a un diapason de 630. Un truc étonnant, c'est que tous les Canadiens, alors les marques de guitare au Canada, c'est
Patrick et Simon, Norman, j'en passe, ce genre de fabricants ont tous des diapasons à 630, à croire qu'au Canada, ils doivent avoir des doigts plus petits que dans le reste du monde. Mais ça, c'est déjà un détail, donc forcément, je savais ce que je voulais. Ensuite, il y a le radius, c'est-à-dire la touche, le côté bombé de la touche. Là aussi, on choisit, et ça, c'est au fil des années qu'on voit ce qui plaît ou pas. Il y a le profil du manche, il y a l'épaisseur du manche, tout ça, c'est calculé pour ma petite mimine. Et c'est une mimine assez standard, quoi, en définitive. Hein, On m'a dit que tu pratiquais la guitare, ou tu jouais de la guitare pendant 10-12 heures par jour, et presque chaque jour. Depuis... Alors, il y a eu des périodes aussi, hein, dans la mesure où moi, j'ai commencé la guitare à l'âge de 11 ans à peu près. Donc, c'était l'époque des balles aussi. Hein, et c'était florissant, dans la mesure où il y en avait partout. Et j'avais pas besoin de jouer très bien à l'époque, donc chacun faisait un petit peu comme il pouvait, puis on allait faire du bal. Ensuite, il y a eu mes 18 ans, c'est l'époque de Patricia Kaas, que j'ai bien connue, dans la mesure où elle est de la région, et comme Bernard Schwartz l'a produite, on était assez fréquemment ensemble. Et moi, j'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait The French Company, on a tourné en Allemagne, ça a bien marché aussi, enfin bref, et puis voilà. Et ça fait que l'instrument, du coup, est passé un petit peu en arrière-plan, parce que je faisais plus, entre guillemets, le clown sur scène pour faire de la variété, sans aucune connotation péjorative, mais enfin, c'était comme ça. Et ça fait que l'instrument, je ne le travaillais pas trop. Et ensuite, il y a eu le rappel à l'ordre, je dirais, hein, il faut bien, dans cette société qui est celle qui est, avoir une profession comme digne, tu vois, parce que quand tu dis, tu fais quoi, tu joues de la guitare, oh, tu dis, mais vous gagnez votre vie avec ça, bah oui, mais il faut des années. Et donc là, à cette époque-là, j'avais pris une boîte de bureautique, j'avais 35 salariés pendant quelques années, et c'était difficile, c'est quand même pas un boulot de tout repos, et là, la guitare était absente. Ensuite, je suis revenu à la guitare, après avoir arrêté... là, je me suis remis quand même, on va dire, sérieusement. Mais c'est un travail de toujours, quoi. Tu arrêtes une journée, tu sens que tu n'aurais pas dû. Quoi. Je sens là que la guitare s'impatiente, Laurent. On pourrait peut-être avoir un petit... Si tu es sage. Ouais. Alors, et je vais jouer un morceau de Louis Armstrong qui s'appelle What a Wonderful World, parce que c'est comme joli monde, et après tout, le mieux c'est de poursuivre sur une note positive. Concentration, c'est parti.
Un très beau moment de musique sur Mosaïque aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. C'est moi qui te remercie, Francis. Alors, je vois toute la concentration que cela nécessite. Oui, il vaut mieux. Donc, j'ai eu le temps de t'observer. Cette guitare, finalement, parce qu'elle est aujourd'hui aussi au centre de notre discussion, est-ce qu'elle te permet de faire des choses nouvelles maintenant ? Est-ce que, par exemple, ce morceau, tu aurais pu l'interpréter sur l'autre guitare ? Oui. Oui. Je pouvais tout à fait le jouer sur l'autre guitare avec un problème récurrent que j'avais, que j'ai encore aujourd'hui, c'est une tendinite parce que les écarts sont trop grands. Et voilà la différence, par exemple, entre un diapason de 650 et un diapason de 630. Et tout ça pour dire aussi qu'à tous les jeunes qui veulent apprendre la guitare, bah, qu'un manche de guitare, c'est pas rien, qu'il faut y aller doucement parce que les doigts, c'est fragile, on peut très vite se faire mal. De savoir comment... comment jouer ces morceaux, comment faire pour que ça aille doucement. Donc il y a tout un côté ergonomie dont il faut tenir compte. Alors, Laurent, comment est-ce que tu vas faire vivre cette guitare ? On sait, tu nous l'as dit, tu vis de la musique, mais alors est-ce que cette guitare, elle va avoir un parcours peu spécial la prochaine ? Je l'espère bien. Je suis en train de mettre en place un... pour la première fois d'ailleurs, parce que j'ai toujours joué en groupe avec Rive Gauche, Die Franzosen, ou alors pour les enfants, les spectacles jeunes publics que je fais, ça a toujours été collégial. Là par contre, pour la première fois, je mets en place un spectacle guitare pure, guitare solo, donc il n'y aura vraiment que de la guitare, ça va être une heure et demie de guitare. Alors, je ne sais pas si je peux faire de la pub, mais enfin sur internet, www.laurent-kremer.com, dans la section guitare show. On va voir ça. Il y a un CD d'ailleurs qui va sortir cette année de vraiment guitare et axé que sur ça. Et ma première, donc la première fois que je ferai un spectacle solo, sera le 25 janvier 2013. Il faut du temps pour mettre tout ça en place. Et ça sera au Casino Le Bel Étage à Sarrebruck. À Sarrebruck. Ouais. Voilà. Moi, je tiens quand même à dire aux téléspectateurs que Laurent. Donc à ses racines à Roulin, oui. qu'il habite aujourd'hui à Gros-Rédarchin. Ouais. Donc c'est un artiste bien local, bien de chez nous, dont on est extrêmement fier. Laurent, avant de nous quitter, peut-être encore un petit peu alors, si une tu petite démo de ce que ta guitare est capable de nous apporter. Très beau, Laurent. C'est zénifiant. Hein. Je ne sais pas si le verbe existe, mais... Bah écoute, on vient de l'inventer. Enfin, surtout toi. En tout cas, merci, Laurent, d'être passé aujourd'hui sur Mosaïque. Donc, bon vent à ta guitare et bon vent à toi. Merci beaucoup.